Donc pour le dessert, tu avais prévu des crêpes. On va faire des crêpes Suzette, exactement. La vraie crêpe. Presque la vraie crêpe Suzette. On verra après, je t'expliquerai pourquoi. Ça marche. Mais en premier, on va faire la paella crêpe. D'accord, donc là, tu as quoi farine, exactement? Sucre et une pointe de sel. Ça marche. Bon, on va incorporer les œufs. Oui. Là, tu travailles pour combien de personnes? Là, on va faire... Combien de crêpes? 6 personnes. On d'accord. On peut faire 5-6 personnes, pas plus. Donc, on tu va mets tous tes œufs. Les œufs au milieu. Oui. D'accord? Oui. On va un peu les casser. Oui. Et on commence à remuer. Ça, c'est une recette que tu as apprise où? C'est une recette classique de pâte à crêpes. Mais oui, mais attends, on en a partout des recettes de pâte à crêpes. Les gens ont tendance à tout mélanger en dernier, alors que moi, je mélange d'abord les œufs avec la farine, le sucre. Progressivement, comme tu es en train de le faire en tournant. D'accord. Donc ça, le fait d'avoir cette technique-là, ça va t'apporter... Ça te fait un mélange qui est sans grumeaux, en principe, et qui va être assez fluide. D'accord. Oui, parce que le principe d'une pâte à crêpes, on est d'accord, il faut que la pâte, elle soit la plus fluide et la plus homogène et la plus lisse possible. Exactement. Là, tu as une farine classique. Hein. C'est une farine classique, c'est une 45 qu'on a pré-tamisée au départ. Ah, tu l'as quand même tamisée. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, justement, des farines fluides? Des fois, trop fluide et on n'a pas la consistance voulue. D'accord. Donc toi, tu es plus partisan de dire je prends une farine classique, je la tamise et c'est parfait. Quoi. Voilà. Voilà, donc elle commence à prendre du corps. Là, je vais rajouter tout de suite une pointe de Grand Marnier. La crêpe Suzette, c'est avec du Grand Marnier? Alors la crêpe Suzette, c'est la sauce Suzette qui va avec, qu'on d'accord. fera après. Mais dans tout appareil à crêpes, il faut mettre un petit peu d'alcool. Alors tu peux mettre du Grand Marnier. Oui. Moi, j'ai toujours une petite pointe de cognac. Ah, tu mets les deux, toi? Ouais. Ouais. Une petite pointe de cognac. Et après ta crêpe, moi, je vais être... Si tu mets du rhum, on fait après un appareil au rhum. Là, on va l'utiliser après. Donc, on va garder la même base d'alcool. D'accord. Parce que tu aimes bien avoir ce petit goût en plus. Il faut que plus. Dans la crêpe, on ait ce petit goût un peu alcoolisé. Une crêpe, elle est fade. Oui, c'est vrai qu'en soi, une crêpe seule, sans rien... C'est pas bon. C'est pas... Et donc là, on n'a toujours pas mis de lait. Non, on est bien non c'est vrai que tu n'as pas mis de lait. Et là, elle est déjà hyper homogène, il n'y a pas de grumeaux. Voilà. On sent bien l'alcool. Hein. Et là, on va rajouter maintenant... Le lait. Alors, le lait, c'est pareil. D'accord, donc là, il est froid. Froid. Il y a des partisans qui disent, on prend le lait froid, mélanger. Bien sûr. On peut le faire chauffer, mettre une partie chaude et une partie froide. D'accord. D'autres qui vous disent, on le fait chauffer et on laisse refroidir et on incorpore le lait. Ou bien on le met directement froid. Et toi, tu penses que tu le mets froid? Ils prétendent qu'il y a une différence au niveau du temps de repos après, mais j'en suis pas persuadé. D'accord. On va incorporer le beurre fondu. D'accord. Et donc, là, tu es en train d'incorporer progressivement le lait et le beurre. On est tout d'accord, hein, je ne mets pas tout d'un coup. Et là, on va mettre les écorces. Alors, on va pas donc là, tu as quoi? Écorce d'orange, écorce de citron. Bon, mais on ne met pas tout, hein. On va en garder une partie. Oh, donc, elle sera vraiment très, très parfumée, cette crêpe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Valentine. Donc là, tu t'arrêtes là? Oui. Oh, d'accord. Donc là, tu as mis un peu de matière grasse. Un peu de matière grasse qu'on essuie avec un sopalin. Oui. On est quand même graduation 3. Donc une poêle quand même bien chaude. Chaude, oui. Elle doit légèrement fumer. Deux solutions. Soit on verse directement dans la poêle pour éviter qu'elle perde le contact. Ah d'accord. Et tu essayes de le faire... Tu veux pas qu'elle perde le contact. Voilà, pour qu'elle chauffe tout de suite. D'accord. Est-ce que ça... Donc là, on va... Je veux savoir, Thierry, le fait de... Quand on a toutes ces petites choses qui apparaissent là, ces petits trous, est-ce que ça, c'est preuve que justement, on a quelque chose, un appareil de qualité et c'est le principe de la crêpe? Non, c'est la cuisson de la farine qui fait d'accord, ça. Donc okay. Là, on va voir ce que ça va donner. C'est la première. On va voir ce que ça va donner au niveau de la cuisson. Si ça ne va pas, on pourra rectifier et on va voir. Il faut toujours tester la première. Bah, en général, on dit que la première, on la rate. L'appareil est un peu épais, donc on va peut-être le rallonger un petit peu. Donc, ça veut dire que toi, tu t'adaptes toujours comme ça. Voilà. La cuisine, c'est toujours des sensations. Il faut qu'on ait un touche. Est-ce qu'on va les manger nature? On va les faire à la façon Suzette. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, façon Suzette, c'est avec la sauce Suzette. La sauce Suzette.
On y va, on les goûte ? On les goûte, Valentine. Donc c'est la vraie crêpe Suzette. C'est la vraie crêpe Suzette. Alors, bon, tu verras, c'est une crêpe qui est moelleuse. Mmh. Donc elle est pas sèche. D'accord. Et tu dois retrouver normalement le petit goût un peu l'anis, l'orange. Waouh. Bah, on a beau dire n'importe quoi, mais c'est, voilà. Bon, hein? Ah ouais, c'est simple, c'est efficace, c'est gourmand, c'est classique, mais c'est top. Ouais. Il n'y a rien à dire. Et on sent effectivement tous les goûts, l'orange, la petite note anisée, le grand marnier. On a tout. Ouais, tu as tous les éléments qui ressortent et on est sur un dessert qui est simple et efficace. Mais au niveau de la dégustation, donc on la mange tiède, c'est ça ? On peut manger froid, mais tiède, c'est sympa, ouais. Je trouve, c'est bien. Hein? Merci beaucoup Thierry je t'en prie. Pour ton accueil. Comme d'habitude, voilà. On a passé un très bon moment. Au plaisir. Donc, c'était voilà. Bien sympa.